impressionnable. Impressionnant, tu veux dire? Pas pour moi, non. Chers visiteurs, voici l'enclos du tyrannosaure. Ce troisième dinosaure du circuit est le plus connu des animaux du Crétacé Parc. Avec son imposante mâchoire, ce carnivore chasse des proies en se basant principalement sur leurs mouvements. Qu'est-ce que tu as touché encore? J'ai rien touché, ça s'est arrêté tout seul. Étienne, tu devrais rentrer, c'est pas très prudent. Et puis pourquoi tourner un film quand on n'a rien à montrer aussi? Silence au plateau, je ne peux pas travailler dans ces conditions! Où es-tu, mon petit dinosaure? Que je te mette en scène. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il? Les clôtures électriques, elles tournent en panne un peu partout. Eh bien, allez chercher Denis. Allez à la machine, au distributeur. Ah si si, c'est l'histoire d'un stégosaure qui rencontre un galliminus. Alors le premier dit « Quelle heure reptile ?» Et l'autre y répond « J'en sais rien. » Elle est bonne, non? Faites-le taire. Elle est bonne. Si si, elle est bonne. Parler d'un plan de travail, c'est un foutoir total! Les clôtures des hybrides ne sont pas déconnectées. Non, non, elles fonctionnent. Mais pourquoi aurait-il déconnecté les autres alors? Bon, en attendant, moi j'attends! Non mais, in fine, on voit bien quand même que le tyrannosaure n'obéit à aucun horaire de parc d'attraction. Non mais c'est l'essence même de l'anarchie au Crétacé Parc, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux voir le tyrannosaure et je le verrai. Montre-toi, sale bête, je suis important! Accès menu principal. Accès refusé. Accès sécurité principale. Refusé. Accès programme principal. Qu'est-ce que c'est que ça? Même joueur joue encore. Je ne supporte pas ces conneries d'informaticien. Bon, on va appeler Denis sur son cellulaire. Les lignes sont également coupées. Bon, où s'est arrêté le véhicule des visiteurs? Vous avez senti? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que tu refuses en un mariage. C'est peut-être le tyrannosaure qui arrive, hein. Code espace moins 0, contrôle espace, contrôle code coupé. Il coupe les systèmes de sécurité. Il ne veut pas qu'on voit ce qu'il va faire après. Alors regardez l'entrée principale, là c'est le comble. Objet passe-partout. C'est une trappe qui lui a permis de télécharger les fiches génétiques des dinosaures du parc. Alors dur!
T'en voilà un qui va les pointer au chômage et sans indemnité de licenciement. Ça, vous pouvez me croire. Oui, mais avec le contrôle code coupé, l'ordinateur n'a pas pu retenir les touches. Alors le seul moyen de rétablir le système de sécurité, c'est de faire défiler les lignes de code une par une. Et il y en a combien ? Environ 2 millions. Ça n'est que du retard, enfin... Tous les grands parcs ont du retard, non ? Tenez, en 89, quand le parc Astérix a ouvert, rien ne marchait ? Oui, mais lorsqu'il y a une grève, les Gaulois ne mangent pas les touristes. Monsieur, nous devons aller les chercher. Non, nous ne faisons rien. Nous restons ici, et vous bossez pour me récupérer le système. Et vous n'avez qu'à prendre ça pour... un test de survie grandeur nature. Il y a une femme avec eux. Et alors ? Je ne vois pas pourquoi je devrais faire une exception sous prétexte qu'elle a un joli cul et qu'elle vote pour les Verts. Monsieur. Monsieur. Je n'arriverai pas à reprendre le contrôle du parc sans Denis Colibert. C'était prévu au programme de la visite, ça. Faites-moi penser à remercier Crématis pour ce charmant week-end. Mes amis de Saint-Germain vont jamais me croire. Ça va, Justine ? Mais reprends tes esprits, bon sang ! Dis-moi comment je m'appelle ! Lâche-moi ! Lâche-la, elle te dit ! Bon, il faut qu'on s'organise, il faut rejoindre le centre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de carte. T'es vraiment qu'un abruti fini, toi. Mais ça va se passer, c'est le dernier modèle, espèce de rustre, va. Ce plateau de tournage, j'en démonte 20 par jour, des comme toi. Taillé dans un casse-croûte à 10 balles, tu sais qui je suis. Ça perd le potel. Étienne est là, Étienne est parmi nous. Tout le monde s'en fout. Jolie casquette, on va se prendre pour un réalisateur. Ça suffit, vous allez pas vous disputer alors qu'on va se faire attaquer par des dinosaures. Petit écrivain bidon. Certes, mais moi, on mange trop ma plume autre part que dans la plaie des autres. Étienne, calme-toi. Alors, vous voulez faire comment ? Simple. On reste ici, on attend quelqu'un vienne nous chercher. Ne soyez pas stupides ! Ça grouille de dinosaures partout ici ! Très bien, restez ici. Moi, je vais chercher des secours. On doit rester groupés. Écoutez, j'ai un plan, moi. Soit vous me suivez, soit vous vous débrouillez, c'est clair ? C'est ma méthode ou rien ! Étienne ! Étienne, tu vas où ? Retrouvez la route à peut-être des installations ou des caméras de surveillance. Bonne idée. Même un dinosaure a plus d'éducation que lui. Non, non, c'est dingue! Vous êtes fou! Il est fou, il est devenu complètement fou! De quoi? Bien, nous évoquons un risque calculé, Venry. Risque qui est d'ailleurs le seul qui nous reste. Il est clair que nous ne retrouverons pas la commande que Denis a utilisée. Il est aussi clair que Denis n'en reviendra pas. Alors il me semble que couper l'ensemble du système serait... Adressez-vous à quelqu'un d'autre, car ça je ne ferai pas. Je refuse. Mais c'est la seule solution pour effacer les lignes de commande que Denis a utilisées. Ainsi, le système reviendra normalement automatiquement à son mode de démarrage. Théoriquement, oui. Mais nous n'avons jamais coupé tout un système. Peut-être qu'il ne pourra pas être relancé. Au prix où je vais payer, j'ai dépensé... J'ai retrouvé les visiteurs.
Ils sont dans l'enclos du Hadrosaur. Le temps d'aller les chercher? Non, vous restez ici. Moreau, des êtres vivants sont en train de mourir en ce moment même. Voulez-vous, s'il vous plaît, couper le système? J'aurais voulu. Vous l'avez. Monsieur Clématis. Le système est prêt. Ah, victoire! Je le savais que vous n'étiez pas tous des incapables. Hein. Je le savais! Mais il n'y a toujours pas de tonalité? Tous les modules doivent d'abord être remis en marche manuellement. Mais ça a marché! Le système est prêt! Le temps de réinitialiser les paramètres et l'ordre sera rétabli dans le parc. C'est bien, Moreau. Allez-y! Aujourd'hui, sur l'île Europa, un groupe de 3 touristes français a été retrouvé mort dans la jungle, déchiqueté par 10 bêtes sauvages échappées d'enclos pourris d'un parc bidon. Tu peux arrêter avec ça? Non mais t'es pas bien. Justine, allez, non mais le plan était bien, tu t'as tout foiré, t'es naze. Quoi? Nous avons retrouvé une survivante, apparemment traumatisée et encore en état de choc. Je t'arrête avec ça! Vous avez une bonne exposition, est-ce que tu peux me laisser bosser? C'est ça, tu veux que je t'aide comme ça? C'est mieux peut-être? Faut commencer à me taper sur le système tous les deux. Je peux pas travailler dans ces conditions. Mais c'est pas le moment de faire un film! Du sang-froid, Justine, nous sommes devant une caméra de surveillance! Ils vont bien finir par nous voir! Qu'est-ce qu'ils font, justement? Ça fait près d'une demi-heure qu'on les attend. C'est pas normal, il a dû se passer quelque chose. Non, mais je vous l'avais dit, fallait rester où on était, c'est tout. Qui m'affiche une équipe pareille? Je fais de l'art, moi. Bon, écoutez, vous êtes insupportables! Je vais aller faire du repérage, ça va me calmer. Mais oui, va-t'en, vas-y! On a qu'à tous se séparer, pourquoi rester ensemble? On va mourir les uns après les autres, Étienne! À quoi tu penses? On se croirait dans un film d'horreur, là. Non mais si, si, c'est une bonne idée ça. En fait, on fait 3 groupes de 1. La ferme, j'en seul. Et l'entête, tu connais, ça te dit quelque chose? Comment tu veux t'en sortir si tu travailles pas en équipe? L'équipe, elle obéit, elle reste à sa place. Un poids, c'est tout, sinon je me barre, moi. Ah oui, c'est vrai, c'est plus facile de fuir. En attendant, je comprends pourquoi t'arrives jamais à terminer tes films. Parce que tu es odieux avec les personnes qui t'entourent, intransigeant et incapable de t'adapter. Qui est le plus horrible de nous deux dans l'histoire? Quoi? Attends. Mais ce qui me semblait. Quoi? C'est mieux quand tu parles pas. Pauvre type! Oui, je sais, mais ça me fait du bien. Et puis, vous commencez à me plaire pour une équipe de bras cassés. Bras cassés toi-même! Moreau, réveillez-vous. Vous n'entendez pas ce qui se passe? Oh, la ferme. Je viens de me taper tout le système à remettre en état. Je n'ai pas dormi depuis au moins 2 jours. Et quoi au juste? Toutes les lumières s'éteignent dans le pavillon. Je croyais pourtant que vous aviez remis le courant. Je viens de passer une nuit blanche dessus. Mais pourquoi êtes-vous branché sur l'alimentation auxiliaire? Non, je ne le suis pas. Et pourtant, ce qui est écrit. Impossible. À moins que le générateur principal ne soit pas rétabli. Vous l'avez fait? Moreau! Vous l'avez fait? Non, je... Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, vous avez coupé le système et vous me faites comprendre que là, vous avez travaillé pendant 3 heures sans avoir pensé à rétablir le générateur principal. J'étais sur les activités de routine, je croyais la situation rétablie. Mais ce n'est pas là le plus grave. Le plus grave, c'est que le générateur auxiliaire n'alimente que le centre de contrôle. Et il n'y a pas assez d'ampérage pour les clôtures du parc. Quoi? Les clôtures ne sont plus électrifiées et depuis 3 heures?
Venez voir, venez voir. Même si les dinosaures ont été assemblés génétiquement, ils se reproduisent de manière sexuée. La vie trouve toujours son chemin sans l'homme. N'empêche que si je m'en souviens bien, j'avais prédit à Crématis que le contrôle de son parc ad hoc était une belle utopie. Ah, les littéraires sont des génies. N'exagérons rien. Comment tu peux dire ça? J'ai écrit les premières pages de plusieurs œuvres majeures. Bon, pas encore publiées, d'accord. Mais excellentes quand même. C'est Crématis. Faites décoller immédiatement un hélicoptère pour le centre. Et dites au pilote de se poser au plus près à l'arrière du pavillon des visiteurs. Dépêchez-vous! Oui? Seulement 3 personnes. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes 6 au total. Vous voulez abandonner les visiteurs? Mais c'est simple. Il est hors de question qu'un rapport des visiteurs parvienne jusqu'au gouvernement. C'est clair? Allez Moreau, on y va. Les abandonner serait condamner à une mort certaine! Mon cher Benry, cette île m'appartient, elle est à moi. Et rien ni personne ne m'empêchera d'ouvrir le Crétacé Park à tous les enfants du monde! Et vous êtes prêt à tuer pour ça? J'ai déjà trop attendu. Je démissionne, monsieur. Je vous l'interdis! Moreau! J'ai déjà parlé de mon dernier bouquin, La lettre et le néon. Vous pensez qu'il faudrait militer pour la réintroduction des dinos, Larzac? La ferme, Jean Sol! Non, parce que Crématis, il aurait pu faire une attraction baptisée Crustacé Park, avec des attaques de fruits de mer géants... Regardez! Qu'est-ce qui s'est passé? Ces sales bêtes sont partout. Elles ont investi le centre. Nous sommes retrouvés encerclés dans la salle de contrôle. Mais plus grave que ça, Crématis. Il a appelé un hélicoptère pour nous ramener sur le continent, avec l'intention de vous abandonner ici. Je m'y suis opposé. Moreau m'en a empêché, et Crématis a laissé entrer les hybrides. Ils les ont tués tous les deux. J'en suis sorti comme j'ai pu. Mais il faut vous soigner, là. Tarmac n'est pas loin. Foncez en cette direction. Venez avec nous. Non, laissez-moi ici. Il faut absolument que vous rejoigniez l'hélicoptère au plus vite avant qu'il ne reparte. Okay. Oui, faut y aller, non? On peut pas vous abandonner ici. J'alerterai les secours. Allez! Je vous ai dit de foutre le camp! Petite fuite. Oui, monsieur Crématis. Il y a eu un problème, on vous expliquera. Finalement, après avoir littéralement étudié la question, j'écrirai peut-être une nouvelle sur ce parc. Je préconiserai dans mon rapport d'en faire une réserve naturelle pour ne plus jamais y mettre les pieds. J'en ferai pas un documentaire, mais un film en hommage à cette grande aventure.
T'arrives et on est dans la merde, monsieur. C'est complètement nul, y a rien en vie. Refais-moi le T-Rex là vite fait. Non, t'as pas un mouchoir. Peut-être qu'il ne pourra pas être relancé. Non mais allô quoi, Moro, allô. On les a mis dans la voiture, en fait, c'est eux l'attraction du parc. C'est un petit peu. On prend les cacahuètes là, c'est eux. Allez, c'est parti. On fait quoi? Oh non! L'Oscar! La génétique a été faite pour améliorer l'existant in situ et non pour... Voilà. Ne me faites pas rire, Bart. Moi? Moi? Mais je ne suis pas un clown, moi, monsieur! Il va nous attaquer! Mais un film en hommage à cette grande aventure. So kitsch, mais c'est énorme! Baptiste, gros salaud, les dinos ont ta peau! Baptiste, gros salaud, les dinos ont ta peau!